Bonjour à toutes et à tous, je me réjouis de vous retrouver pour ce nouveau Profilement Vôtre, basé essentiellement sur les élections, tristement je dirais, parce qu'on ne voit que cela, de droite et de gauche, sur les canaux, dans les discussions, dans les échanges, j'imagine autour d'un verre, dans un repas quelconque. C'est systématiquement basé et axé uniquement sur les élections. Que dire? Comment dire? Pour moi, c'est assez compliqué, en fait, de faire cette émission. Et si je la fais, c'est pour essayer de vous permettre de vous éveiller et de comprendre certaines choses. Sachant que j'ai déjà fait énormément d'émissions sur ces sujets-là, avec des profils politiques sur lesquels vous avez beaucoup réagi, rebondi, notamment lors des élections présidentielles, les dernières et même celles d'avant. Je réitère que ça fait des années que je préviens sur beaucoup de choses. Je réitère que malheureusement, peu de gens écoutent ce que je dis et pourtant l'avenir donne raison. C'est pour ça que pour moi c'est difficile de refaire encore ce genre de discours parce que c'est toujours la même histoire, c'est constamment la même histoire. Il y en a juste une qui est évidente à voir, c'est le RN a gagné les dernières élections. Je sais même pas ce que c'est parce que je n'ai même plus voté. C'est les européennes, voilà, c'est les européennes. Et donc, ça y est, le pays s'enflamme. Donc, on va dire que le RN n'est pas bon. Et donc, ça va revenir en arrière, comme ça a toujours été la même histoire, de faire passer un parti politique pour ce qu'il n'est pas, pour pouvoir en faire passer un autre. C'est cyclique. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps pareil. Et les gens continuent. C'est là où je ne comprends pas. C'est que les gens continuent dans ces comportements. S'offusquent, s'esclavent, s'énervent, cassent tout. Il y a une vraie liesse populaire manipulée qui est en place pour manipuler aussi les esprits. Et il y en a de la manipulation encore plus dans ces élections-là. Donc, je sais pas, à quel moment vous n'avez pas compris que déjà, ça ne sert à rien de voter, parce que de toute façon, énergétiquement, vous donnez votre vote. Vous donnez votre identité quelque part, une partie de vous-même que vous déléguez à un parti politique ou à un homme politique ou une femme politique qui en a rien à foutre de vous. Faut le dire les choses comme elles sont parce qu'il fera ce qu'il voudra comme il voudra. Ils sortent tous du même moule quasiment, hein, donc faut pas s'affoler. Il n'y a pas un profil pour relever l'autre. En plus, énergétiquement, c'est extrêmement mauvais. Et enfin, c'est truqué. Non, moi ça fait des années que je ne vote plus. Mais rien que ça, j'imagine qu'à un moment donné, on pourrait peut-être simplement se dire, stop, basta, on arrête, parce que finalement, c'est quoi l'histoire de continuer de reproduire ces schémas-là? J'arrive pas à comprendre que les gens n'aient pas encore compris. Moi, je me dis, qu'est-ce qu'il faut pour que les personnes réagissent et interagissent? Je pose la question. Donc forcément, ce sujet va être cette émission plus exactement va être un petit peu brûlante au regard de ce qui se passe et de l'image que je vais essayer de vous donner de l'état actuel des choses. Parce que on voit en effet beaucoup de reproductions de un tel a dit ceci, un tel a dit cela, un tel a fait ceci, un tel a fait cela, mais des analyses vraiment travaillées, il n'y en a pas tant que ça. Donc ce que je vais vous dire, pour certains, ça va être redondant, puisque je l'ai déjà dit il y a des années. Et que ça va revenir sur le tapis d'une manière ou d'une autre. On va revenir sur McCoy. Bon, lui, il y a plusieurs choses qui ont apparu. Donc, d'une part, c'est qu'il était prêt à ces éléments-là, à ces événements-là, et qu'il avait déjà la cartouche de sortie. Donc, clairement. D'autre part, qu'il n'était pas content des résultats, que ça l'avait piqué. Enfin, je sais plus, j'ai vu passer le truc, donc je n'ai pas noté. Mais qu'en gros, ça a piqué son ego. Donc, quand il dit ça a piqué son ego, c'est juste pour que les macronistes se disent, oh, le pauvre, c'est vrai qu'on a peut-être été un peu dur avec lui, il faudrait qu'on revende quand même pour lui. On lui a fait du mal. Là, il joue l'émotionnel. Il joue surtout les tableaux. Hein. Il joue l'émotionnel avec cette phrase-là. Ça, c'est une phrase manipulatoire pour les gens qui sont relativement de son côté. Et il y en a un. Il y en a. Alors, moi, je n'en connaissais pas du tout dans mon entourage et sur mon réseau LinkedIn. Alors, il n'est pas directement sur mon réseau, mais il est affilié à d'autres personnes qui sont sur mon réseau LinkedIn. On en a trouvé un macroniste. Ah non, mais là, c'est. J'ai mis des commentaires, mais j'ai même fait. Waouh, il y en a un, j'en vois un. Hein. C'était choucard. Hein. Franchement, c'était exceptionnel parce qu'on en a trouvé un. Du coup, bah, le pauvre, il a pris cher, forcément, parce qu'il n'y en avait qu'un.
Mais là, on voit le niveau intellectuel. Le gars, je pense qu'il a au moins 10 doses. Hein, c'est pas possible autrement, vu ce qu'il écrit. Mais il y en a eu un. J'en ai vu un dans un contact d'un contact de LinkedIn, qui n'est pas un contact macroniste, parce qu'il l'a avoué. Mais moi, j'ai quand même fait, waouh, je suis contente d'en découvrir au moins un. Parce qu'on les cherche quand même aujourd'hui. On lance un avis de recherche sur les gens qui sont vraiment pro-Macron. Mais il y en a. Et il y en a pour X et Y raisons. Que l'on a déjà évoqué à plusieurs reprises, hein, et qui sont toutes, bien évidemment, très loin du discernement, de la spiritualité, des intelligences, etc., etc. Donc, ça, cette phrase manipulatoire, est un peu en contradiction de l'autre phrase qui dit, mais moi, j'avais anticipé, en gros, les résultats, et j'attendais que ça, pour pouvoir, passer à autre chose, quoi, être quelque chose d'encore plus combatif, entre guillemets. Moi, c'est comme ça que je l'ai interprété, cette phrase-là. C'est pas comme ça qu'il l'a dit, hein. Je ne fais qu'une interprétation. Et cette phrase-là, c'est la plus juste de toutes. Ça, c'est la plus juste de toutes. C'est cette phrase-là qui est importante. Parce que Macron ne partira jamais. Ça, je l'avais déjà dit, je crois que c'est en 2018. Depuis ce matin, je cherche la date. Il y avait, c'est pareil, j'avais été, pas convoqué, mais on avait une réunion avec des représentants. Divers et variés des forces de l'ordre, de l'armée, voilà, tout ce côté défense, entre guillemets, et ils m'ont posé une seule question qui a été comment on dégage Macron? Moi, je leur ai dit, il n'y en a qu'une seule solution. Donc, je vous laisse imaginer laquelle, il n'y en a qu'une, il n'y en a pas d'autre. Ils m'ont dit, t'es dur. Ah ben, je dis, vous m'avez posé une question, je vous réponds. Je dis, vous voulez le dégager, il n'y a qu'une seule solution, une seule et unique. Ils m'ont dit, mais non, par les élections, on va pouvoir arriver. Je dis, mais non, il ne partira jamais. Ça fait des années que je dis, hein. On y est là encore. C'est pour ça que je dis, quand est-ce que vous allez comprendre? Alors, la plupart de mes auditeurs ont compris, mais les autres, pas forcément. C'est que ce n'est pas les urnes qui vont résoudre le problème. Non, ils sont tous maqués, hein. Ils sont tous maqués. N'oubliez pas que Marine Le Pen, elle s'est quand même couchée, hein, aux dernières élections. Donc là, qui est-ce qui va se coucher? Ben c'est probablement Bardella et je vais y revenir. Donc, clairement, là, on est face à un remake, Xème saison, avec toujours le même scénario, pas toujours les mêmes acteurs, et en face toujours les mêmes pigeons, dont je ne suis pas. Tout ça, c'est un leurre. Et c'est un leurre qui amène aussi à masquer ce qu'il faut vraiment regarder, ce sur quoi il faut vraiment zoomer. C'est véritablement un leurre. Un leurre et un piège dans lequel énormément de gens tombent dedans. Macron sait parfaitement dans quel état est la France. C'est lui qui a été missionné pour mettre la France dans cet état-là. Qu'il le sait. Il sait parfaitement que de toute façon, il ne pouvait pas gagner les élections. Il sait parfaitement que le pays est dans le chaos. C'était son devoir, c'était sa mission. Ça l'est toujours d'ailleurs, parce que c'est pas fini. Donc comment voulez-vous qu'il ne puisse pas savoir quels seraient les résultats des élections à venir? Ceux qui ont tendance à prendre Macron pour un imbécile, ben vous vous trompez, vous vous leurrez. Il est loin d'être idiot. Émotionnellement, il n'a rien, forcément, c'est un programme. Donc, c'est ses algorithmes, c'est normal. Mais par contre, les algorithmes sont bien chargés de données pour faire ce qu'ils doivent faire. Et les autres derrière savent très bien quoi lui dire pour qu'il leur donne, qu'il mette à exécution les ordres qu'il reçoit. Donc, tout était préparé. Et je peux vous dire qu'à l'issue des élections à venir législatives, tout est déjà prêt. Quelle que soit l'issue, quel que soit ce qui va arriver, il y a la réponse en face. Elle est déjà prête. Et vous croyez-moi, elle ira uniquement dans le sens de Macron et de la Kamal. Uniquement. Qui que ce soit qui passe, qui que ce soit qui prenne le poste, qui que ce soit qui soit élu, bon, c'est pipé, c'est déjà pipé, c'est déjà plié. Passe à autre chose. Je lui mets une note. Hein. Je prépare toujours mes émissions, donc j'ai forcément des notes à lire. À noter,
Un autre détail qui devrait faire réfléchir. Dans les bulletins, il a manqué des bulletins. Mais pas ceux de Le Pen ni de Bardella. Tiens donc. Quand même étonnant ça. Il manquait pas ceux de Le Pen ni de Bardella. Pourquoi? Parce que c'est prémédité. Et quand on a des bulletins qui manquent au niveau des urnes, qu'est-ce qu'on fait normalement? On annule les élections et on recommence. Pas là. Oh ben ça alors, pourquoi? C'est... Non. Quand est-ce que ça va rentrer? Parce que c'est bis repetita, hein. C'est pas que la première fois et ce sera pas la dernière. Et il y a des gens qui croient encore et qui s'animent et s'activent. Et vas-y que je te mets ceci à droite à gauche. Tous les canaux là, en ce moment ne parlent que de ça. On ne voit que ça sur les élections. On ne fait que répéter en disant qu'un tel est idiot, qu'un autre est imbécile, que celui-là allait bien, que... Mais pas à essayer de comprendre, bon sang, le film qu'il y a derrière. Un film qui ne fait que de se répéter. Je répète, c'est une saison là. On est dans la saison Xème. C'est ces gens qui font ça, qui se disent de notre côté, ne font qu'alimenter cette manipulation. Et pendant ce temps-là, on ne voit pas ce qui se passe. Il y a des tas de choses importantes qui se passent en ce moment. Notamment les alliances que Poutine est en train de créer à l'Est. Le Vietnam, la Corée du Nord, c'est pas rien quand même. Vous avez vu comment il était reçu? Moi, j'ai analysé ça en méga grande pompe. En méga grande pompe. Plus qu'un dieu, je dirais presque. Parce qu'on sait qui est Poutine. Même Macron, ils le savent très bien. Même Biden. Mais le fait de faire ça, c'est une façon de montrer au monde entier. Non seulement on sait, mais on est de son côté. C'est vachement important là, ce qui est en train de se passer. Très important. Ce bloc Est est en train de véritablement se consolider pour bien détruire le bloc Ouest. Comme nous. Avec l'OTAN et compagnie, merci Sarkozy. On est pro-américain, enfin, les macroniens, hein, pas les Français. Ou peu de Français. Eh bien forcément derrière... Ça va, vous savez, c'est comme un espèce de filet. On est dedans. Alors, on va partir avec. Hein. Faut couper le maillon. Et c'est pas avec les élections qu'on va y arriver. Donc, Macron a bien dit qu'il ne démissionnerait pas. Donc, ce qui revient bien sur tout ce que je viens de dire, parce que tout est programmé, tout est pipé, tout est anticipé. Évidemment, on ne sait pas forcément ce qui va se passer. Moi, je ne suis pas une analyste dans ce domaine. Donc, j'analyse juste les comportements, je vois juste les choses. Mais je ne suis pas capable de vous dire ce qui va se passer vraiment derrière. Est-ce que Macron va démissionner pour se représenter et passer? C'est tout à fait envisageable. C'est, à mon avis, dans un des plans des suites des résultats des législatives. Ça peut être aussi, on va faire porter le chapeau à Bardella qui pourrait devenir Premier ministre. Il y a plein d'options, à mon avis. Mais l'option, la vraie finalité, c'est il a la main et il garde la main. C'est qu'en fait, on va se faire en papaouter une fois de plus. Enfin, ceux qui ont voté. Ceux qui croient encore. Ceux qui estiment que c'est encore important. Les autres, ils ont compris. C'est ça qu'il faut bien retenir. Mais vraiment bien retenir. Je vais passer à Bardella maintenant. J'avais envie de vous parler un petit peu du personnage parce que je l'avais plus ou moins vu à une époque. Je le trouvais intéressant. Je le trouvais au début assez intéressant. Je tiens un discours qui est quand même qui sort des sentiers. Des sentiers battus, de ce qu'on a l'habitude d'entendre, de ce que la plupart des politiques évitent de parler, d'évoquer. Si on devait donner qu'un seul mot à Bardella, c'est opportuniste. Rien d'autre. C'est un opportuniste qui sait parfaitement soigner son image. Qui sait parfaitement séduire. Il a parfaitement compris tout ce qu'il fallait faire en politique pour être apprécié. Je vais vous lire quelques notes que j'ai prises. Donc c'est un jeune premier de la classe. Il parfait sous tout rapport. C'est le genre gendre parfait. C'est dans cet état d'esprit-là, propre, bien cultivé, bien éduqué, qui sait bien se présenter, toujours nickel. Avec du caractère, un certain caractère, du charisme, non, beaucoup moins. Qui est donc l'image séduisante pour un électeur, ou surtout une électrice, quoique, comme il est homosexuel, à voir.
Mais surtout pour toute famille, en fait. Oh, ça, c'est vraiment le genre de jeune homme qu'on verrait bien dans notre entourage. C'est un leurre. C'est encore un leurre. Je sais pas, mais vous êtes des pêcheurs, parce que pour aller à la pêche, on utilise des leurres, hein, pour appâter les poissons. Je sais pas, c'est... Ah, bon, je suis désolée, mais moi, c'est... À force, ça devient usant de répéter toujours les mêmes choses, même si c'est sous une forme différente. Mais bon, je vais le faire, c'est pour vous, hein, je le fais, hein, c'est pas pour moi. Donc, il joue beaucoup sur cette image-là et il a énormément d'ego et un ego qui est très mal canalisé. Il a beaucoup d'ego parce qu'il ne faut pas le froisser, le garçon. Il ne faut pas le critiquer. Il ne faut pas aller à contresens de ce qu'il décide, de ce qu'il veut. Il faut vraiment éviter ce genre de comportement et d'attitude de façon à ce qu'il puisse garder une belle image et de lui pour lui et de lui vis-à-vis d'autrui. C'est très important pour lui. Son image est très importante. Je réitère, hein, tout est axé là-dessus. Il est très très sûr de lui, trop sûr de lui. Donc ça, c'est une grosse grosse faille. Parce que là, il verra pas le scud arriver. Il va pas voir le piège arriver. S'il est premier ministre, rien voir. Il va se la manger en pleine tronche, face à un Emmanuel Macron qui est hyper fin. Je réitère, même si beaucoup de gens le critiquent, faut pas lui enlever ce qu'il a. Il est hyper fin et les gens qui sont derrière, qui ont déjà deux trois coups d'avance sur leur plan à eux. Et si on alimente leur plan, ça fonctionne. Si on n'alimente pas leur plan, ça ne peut pas fonctionner. Donc les élections font partie de leur plan. Très fier de lui, il est assez haut de sa personne. Donc n'accepte pas la critique, je viens de le dire. Opportuniste, je l'ai dit tout à l'heure. Ne s'alliera pas avec les gens qui ne vont pas dans son sens. Il faut vraiment qu'on soit en phase avec lui, qu'on soit en... que ça matche même hypocritement, on s'en fout. L'essentiel, c'est moi-je. C'est plutôt quelqu'un d'assez brillant, pas un gros grand brillant, mais pas dans tous les domaines non plus. Il est assez focusé sur certains domaines. Et surtout, le pouvoir. Avoir le pouvoir, être capable de dire moi-je. Mais moi, mon problème aussi là-dessus, c'est bon, déjà, c'est politique, hein. Alors, comme c'est une jeune tête, pas très connue, qui a jamais été élue, tout ça, bah là, forcément, les gens, ça y va. Et puis, de l'autre côté, et je vais y revenir, on a tout un tas de troufions qui sont dans la rue pour être contre le RN, complètement manipulés, voire payés pour ce faire. C'est quand même aussi encore, j'ai rien, attention, je suis pas homophobe, mais c'est quand même un homosexuel, encore une fois. Il y a un problème, là. Parce qu'on est entouré que d'homosexuels, hein. Messieurs Asselineau, Philippot, lui, que sais-je, ma couille et compagnie, ça c'est encore autre chose, on est là, un degré largement au-dessus, il y en a vraiment beaucoup, donc c'est à se poser des questions si les homosexuels sont faits que pour la politique. En même temps, quel est leur esprit, la notion au niveau de la famille? Peu d'homosexuels ont eu des familles, des vraies familles, c'est-à-dire qu'il y a des homosexuels qui ont switché en cours de route, qui étaient hétéros, qui sont devenus homos, et qui ont parfois eu un époux avec des enfants, tout ça, donc ça, ils savent ce que c'est, eux, et pas les autres. Ils savent pas vraiment ce que c'est. Les difficultés du couple homme-femme, les difficultés de l'enfant, toutes les dérives qu'il y a à l'école actuellement sur la sexualité en bas âge pour les amener à la pédophilie. Comment ils lutteraient contre ça? J'ai fortement de doutes. Fortement. Et je réitère, je ne suis pas homophobe. Mais je crois qu'il faut arrêter de mettre des personnes à des postes qui ne sont pas adéquates pour eux. Mais finalement, est-ce que Bardella, lui aussi, n'a pas bénéficié d'un trucage d'élection? Puisque lui, ses bulletins de vote avec ceux de Marine Le Pen n'ont pas été empêchés d'être apposés dans les urnes. Finalement. Qu'est-ce qui me prouve que ces élections sont justes? Rien. Surtout avec l'historique qu'on a de toutes les élections ces derniers temps. Surtout quand on voit par exemple qu'un Zelensky, depuis apparemment le 20 ou 21 mai, n'est plus officiellement président de l'Ukraine, mais est toujours considéré comme tel. Peut-être pas par son peuple, mais en tout cas à l'extérieur, si. Qu'est-ce qui me prouve ça? Rien. Quelle est la crédibilité qu'on peut accorder à cela? Qu'est-ce qu'on peut donner comme crédit face à cela, dans la situation actuelle, avec tous les dons que nous avons environnementales et passifs, dans le passif, au regard de tout ce qu'on a subi depuis des années. Et si on se pose vraiment cette question, ben on va plus voter. Parce que de toute façon, qu'on vote ou qu'on vote pas, notre voix sera utilisée à mauvais escient,
Mais énergétiquement, au moins, on est clean. On n'a pas alimenté un processus qui ne nous convient pas, qui ne nous est pas dédié. Et qui est surtout inhumain. Donc, je vous demande sérieusement de réfléchir à cela. Pour ceux qui n'ont pas encore compris, faites la réflexion de ça. Beaucoup de gens disent, pour sauver le pays, il faut voter. Mais si c'était le cas, ça se saurait. Coluche avait d'ailleurs dit une phrase, que si c'était, je ne me rappelle plus la phrase précisément, mais en gros, si ça servait à quelque chose, je crois que c'est ça, si ça servait à quelque chose, les élections, pour le peuple, ben, il y a longtemps qu'on aurait arrêté de faire voter les gens. Mais c'est vrai. Moi, ça fait des années que j'ai compris ça. Des années. Je l'ai dit dans une ancienne émission où on avait des sacrées discussions avec Feu, ma grand-mère, parce qu'elle a fait partie des femmes qui ont lutté pour que la femme vote en France. Elle me dit, tu peux pas faire ça avec une grand-mère qui a foulé les pavés parisiens pour que tu puisses voter un jour. Je dis, oui, mais je te comprends, ma mimi, mais le problème, c'est que ça ne sert plus à rien aujourd'hui. Autrefois, je pense qu'il y avait de la crédibilité, mais depuis pas mal de temps, il n'y en a plus. Depuis quand? Je ne saurais dire, peut-être Mitterrand, parce que là, tout a switché depuis Mitterrand. Peut-être lui. Il n'y a pas de crédibilité. Mitterrand, je sais que j'avais déjà entendu mon père dire qu'il faisait voter les morts. Donc, sincèrement, si vous pensez que c'est comme ça qu'on va s'en sortir, ben vous ne vous en sortirez pas. Ceux qui ont compris que ça n'était pas comme ça, eux, ils vont s'en sortir. Voilà pour ce premier point qui va me faire rebondir encore dans la politique sur le second point. En tant que profiler, moi, il y a un point qui m'interroge. Oh, il y en a plusieurs. Je vous rassure. Mais je vais travailler sur celui-ci aujourd'hui avec vous. Et là aussi, vous faire réfléchir, c'est que dans notre métier, on travaille sur des dossiers de serial killers, de terroristes, de violeurs, de pédocriminels, de tous ces trucs-là, de voleurs, des réseaux de vols divers et variés, de corruption, de tout ce que vous voulez. Enfin, tout ce qui est malversation divers et variés. Donc, il y a une procédure classique de... juridique, on va interpeller la personne si on a des preuves, ou sans, hein, parce que depuis pas mal d'années, j'en sais quelque chose, c'est sans, hein, pas besoin de preuves pour mettre les gens au tribunal. Ça aussi, il y a des gens qui n'ont pas encore compris ça. Pourtant, j'en suis un exemple, hein, j'ai fait une vidéo là-dessus que, c'est vrai, elle n'a pas été très vue. Les gens veulent comprendre ce qui se passe, mais ils ne regardent pas les vidéos qui leur apprennent des choses. C'est rigolo, faut tout leur mâcher, tout leur mâcher. Eh ben non, débrouillez-vous, on a fait une interview là-dessus, qui est toujours sur toutes mes chaînes, qui s'appelle l'affaire d'âge, j'ai un droit de réponse, avec Stéphanie Reynaud de Tribune Libre et Ronald de Profession Gendarme, que je salue au passage. Donc c'est des histoires comme la mienne, il y en a d'autres. Pas forcément toujours sous le même modus operandi, mais il y en a d'autres. D'accord? Et ça ne date pas d'il y a 4 ans, ça date de bien avant. Je réitère qu'il y a des gens qui luttent depuis bien avant. Je précise tout cela parce qu'il y a des nouveaux arrivants qui ont gentiment envoyé des messages en disant « je ne vous connaissais pas », donc etc. Donc, soyez les bienvenus. Mais je vous invite quand même à regarder un petit peu quelques émissions passées qui pourraient vous apprendre énormément de choses parce que les émissions que je fais, je les étudie avant de les faire. Mes invités que je prends, c'est pareil, je les étudie. J'aime bien faire ce genre de choses. J'aime pas prendre à la volée comme ça. Alors, certains n'acceptent pas, certains ne répondent pas. Je ne suis pas étonnée, mais c'est pas grave. Donc ces serial killers, c'est une méchante personne, entre guillemets, qui font du mal, donc c'est dans leur chemin de vie, c'est à eux d'essayer d'éveiller leur conscience, et ainsi de suite, pour ceux qui le peuvent. On va pas rentrer sur ce débat-là, on va rester sur l'autre. Donc ils sont, quand ils sont appréhendés, qu'ils ne sont pas maqués avec un politique ou dans un réseau quelconque, ou qu'ils n'ont pas des ramifications diverses et variées qui leur autorisent et permettent à ce qu'il y ait un non-lieu, qu'ils n'aillent pas en prison malgré le dossier bardé. Et à contrario, ceux qui n'ont aucune, il n'y a aucune preuve, il n'y a rien du tout, on veut les tuer. Et c'est, voilà. C'est ça, la justice. Hein. C'est, voilà. Donc, croire en la justice aujourd'hui, c'est pareil, c'est un gros leurre. Il y a certains encore bons magistrats, mais moi, j'ai du mal à avoir confiance. J'ai vraiment beaucoup de mal. Il y en a un, c'est sûr, j'ai confiance, c'est Maître Bonnard, Fabrice Bonnard, que je savais aussi, avec qui j'ai fait une émission. Mais j'ai confiance. Mais d'autres, je suis très sceptique. Puis je vois leur profil. Des fois, je me dis, quelque chose qui ne va pas là-dedans. Donc,
Ces gens-là sont appréhendés, plus ou moins, sont mis en prison ou décapités ou ce que vous voulez, j'en sais rien, en fonction des années, en fonction des pays, en fonction de la législation diverse et variée, ou tués par la personne victime ou un membre de la victime, peu importe. Donc il y a un processus qui met en évidence les preuves. On va rester sur des preuves concrètes et tangibles, hein, parce qu'encore une fois, c'est pas toujours le cas. Et parfois même, on se pose des questions. C'est quel est le ratio entre les vrais coupables et les non-vrais coupables? Moi, je me pose vraiment beaucoup de questions là-dessus. J'ai pas de quoi analyser cela en ce moment. Ils vont être jugés, ils vont être accusés par un jury ou autre chose. Et ils vont soit avoir un bracelet, soit aller en prison, soit, je réitère, être injectés d'une piqueuse létale pour supprimer leur vie, et ainsi de suite. Bref, il y a tout un. Donc concrètement, ils vont être aussi souvent mis en avant dans les médias mainstream. Donc concrètement, il y a tout un processus où on dit, lui, c'est le méchant, il faut qu'il paye. En gros. Et à côté de ça, on a tout un système politique, où on a un paquet de gens qui font parfois pire que des serial killers depuis la nuit des temps. En toute impunité, ils ne sont absolument pas inquiétés. Il y a juste le peuple qui peut râler et avoir peur de ces gens-là. Mais c'est tout. Et on ne dit rien, on ne fait rien. Il n'y a pas tout ce processus derrière. Quand la presse était libre, il y avait le processus de dire, ah non, là, c'est pas bien. Il y avait même des humoristes qui savaient mettre en avant à temps là, et ça faisait effet miroir. Tout ça, on l'a supprimé. Donc, il n'y a plus d'effet miroir. Mais les gens pensent derrière que c'est un tribunal comme Nuremberg. Et attention, je soutiens beaucoup Rainer Fulmich. Hein, j'en ai parlé dans justement dans l'affaire d'Agen où le modus operandi pour appréhender Rainer Fulmich est exactement le même que le mien en 2013. C'est le même fond d'histoire. Pas le même fonctionnement, mais le même fond. Donc j'ai dû essuyer les plâtres. Parce que moi, je suis en vie et qu'ils n'ont pas réussi à me mettre en prison. Sans preuve, hein, sans rien du tout. Pour que j'y sois suicidé au bout de 15 jours, je réitère. Bon, allez, vous avez qu'à voir l'émission. Et lui, Rainer Fulmich, par contre, est dans des conditions terribles. Et ça, c'est inadmissible. C'est juste inadmissible. Mais il y a plein de cas comme ça. Beaucoup plus que vous ne le croyez. Donc, ces politiques, qui n'ont pas toujours été élus par nos soins, par nous-mêmes, par le peuple, ou qui sont toujours politiques, présidents, et qui, en fait, on se demande comment, font des tas de malversations à tuer des tas de gens. Alors, soit par un système de pandémie, comme l'histoire de la piqueuse, là, qu'on a vu dernièrement, soit parce que les gens dérangent, comme moi, j'ai été victime, puisque c'est une affaire d'État. Mais le Luron, Coluche, pour ne citer que, de fer, 2 balles dans la nuque. On suicide pas de 2 balles dans la nuque. Enfin, quand je donnais des cours en criminologie, sur le profilage, quand les étudiants ils râlaient que je leur donnais un truc à étudier, je leur dis, bah écoutez, on étudie l'affaire de deux fers avec avec le suicide de 2 balles dans la nuque. Ils râlaient là encore plus, donc ils ne voulaient pas travailler là-dessus. C'est l'histoire qui tourne partout, celle-là. C'est celle qui tourne partout. Mais non, quoi. En fait, non. Tu ne peux pas te. Déjà, les gens qui croient ça, c'est ridicule parce que déjà, faites le mouvement. Faites le mouvement. D'accord? Et observez les suicides, comment ils se pratiquent la plupart du temps. Et puis tu récidives une deuxième fois. Non, mais là, vraiment, faut arrêter, quoi. Voilà. Il y a plein de trucs comme ça où on fait avaler la pilule. Je réitère encore, l'affaire d'Agen, c'est pareil. C'est exactement pareil. Donc, ils suicident ou ils tuent ou ils font des morts sociales à des personnes qui dérangent leur parcours, leur ego ou leur image ou leurs proches. Donc, ils ont tous un modus operandi qui est un petit peu différent. Mitterrand, lui, il nettoyait. Tout ce qui le dérangeait, il nettoyait. Lui, alors là, il en a dézingué. La vache, il en a dézingué. Il a fait tellement de malversations qu'il a nettoyé grave. Bess, je crois que c'est Bess qui était le PDG de Renault à l'époque, qui a été lui aussi tué, assassiné. Mais il a été assassiné parce qu'il a découvert un trafic de Renault, fabrication de Renault, qui partait gratuitement dans les pays de l'Est pour un trafic.
Lui, ça ne lui convenait pas. Qu'il avait l'intention de le divulguer, poum poum. C'est comme ça que ça marche. Si vous saviez tout ce qu'il y a, comme, même moi je ne suis pas au courant de tout, mais j'en connais déjà beaucoup, tout ce qui peut se passer, tout ce qu'il peut y avoir, c'est impressionnant. Quand je vous dis que ça ne date pas d'hier, ça ne date pas d'hier. Donc son modus operandi, lui, c'est qu'il liquidait au maximum. Donc lui, c'était beaucoup par arme. C'était beaucoup par arme. Pas que. Alors il pouvait utiliser, un jour il a utilisé Action Direct pour. Je ne sais pas si c'est pour baisse, justement, je ne me rappelle plus. Donc ils connaissent les réseaux terroristes. C'est eux qui créent et alimentent les réseaux terroristes et qui les protègent. Et le jour où ils en ont plus besoin, paf, il les désigne, comme Klaus Barbie. Tout le monde savait où était Klaus Barbie. Mon père m'en avait parlé. Tout le monde savait où était Klaus Barbie. Et je crois que c'est Mitterrand qui a encore lui, qui l'a fait venir, pour faire un procès. Mais c'était... Attends, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ça te dérangeait? Ah oui, mais moi, je suis tombée sur un livre, moi, quand j'étais jeune. Un monsieur qui habitait Nevers, qui... il y avait un livre, il était rouge, je me rappellerai tout le temps, on me l'a piqué. C'était un petit livre qui expliquait qui était de fer et qui était Mitterrand sous la Seconde Guerre mondiale, qui se faisait passer pour des résistants, mais ils étaient en fait des espions collabos. Et je me rappelle que Defer avait le nom de Danvers, en tant que résistant. Et qu'ils étaient impliqués dans l'affaire de Jean Moulin. Avant qu'il se fasse tuer. C'est eux qui ont fait en sorte, pour le pouvoir. Et on revient à cette notion de résistance, comme on le voit aujourd'hui, où les gens se tirent dans les pattes pour le pouvoir. Observez les lanceurs d'alerte, observez. J'essaye depuis pas mal de temps d'en réunir les uns les autres, de faire en sorte que, de fédérer, de dire à tout le monde, il faut faire un truc pour qu'on réunisse au maximum. C'est totalement divisé. Totalement divisé. Mais ça va se mettre en place tout seul. Ça va se faire. Mais ça ne date pas, encore une fois, d'hier. Il faut comprendre et analyser toutes ces choses-là. Il faut bien les comprendre. Et quand on voit la malversation politique, donc chacun a son modus operandi pour nettoyer, pour liquider ce qui le dérange. Hollande, lui, je crois que c'était beaucoup le côté psychiatrique qu'il aimait bien utiliser, lui, pour lobotomiser les cerveaux. Et puis les morts sociales aussi, il utilisait beaucoup la presse. C'est lui qui a utilisé le plus la presse. Ça faisait que 2 mois qu'il était là quand il s'occupait de mon cas. Ça faisait juste 2 mois qu'il est arrivé. Donc des gens qui dérangent tout ce qu'il fallait mettre en place, tout ce qu'il faut avancer. François Hollande, qui se représente... aux élections législatives. Bon, alors là, déjà qu'on a du mal à se débarrasser de la pluie, je crois qu'on va investir dans des tonnelles anti-pluie, je sais pas ce qui va se passer, ça va être compliqué. Bon, c'est pour la blagounette, mais je vais vous raconter une histoire, c'est le Val-de-Grâce. Le Val-de-Grâce, c'est un hôpital militaire, où tout ce qui est associé aux militaires, à Paris, c'était, qui a été divisé en deux, dont un est à Percy et l'autre, je sais plus où il est. Donc, j'allais me faire soigner au Val-de-Grâce, qui était à la pointe de tout. Beaucoup de chefs d'État étrangers venaient se faire soigner là. C'était à la pointe de tout. Et Sarkozy, qui avait été très bien soigné pour une maladie quelconque, dont il n'a pas parlé, avait offert tout un système électronucléaire de pointe, enfin un truc énorme, pour le Val-de-Grâce. Je ne sais plus si c'était pour la cardiologie, je ne me rappelle plus exactement. Ce système-là était encore dans les cartons. Quand Hollande est arrivé au pouvoir, par jalousie, par méchanceté, il a tout foutu à la benne. C'est véridique. Il a tout mis à la benne et il a foutu en l'air le Val-de-Grâce. On n'a plus du tout cet hôpital de pointe qui était un des meilleurs au monde. Bon, vous l'avez vu, le système de santé de toute façon est gravement tombé. Ça a commencé là. Ça a commencé là. Ça, c'est François Hollande. Ça ne lui plaît pas. Il désingue tout. Il ne réagit même pas. Ça, c'est François Hollande. C'est son modus operandi à lui. Ma couille, c'est quand on touche à Brichel. Dès qu'on touche du côté son image, qu'on le dise au mot, je pense pas que ça le dérange. Ça, je pense pas que ça le dérange. Mais quand on touche un peu plus loin sur la pédophilie et tout, là, ça passe pas. Et là, il désingue. Et puis, tous ses partenaires professionnels, banquiers, Big Pharma et compagnie, faut pas toucher. Mais en fait, il suit les ordres. Hein. Lui, il suit les ordres. Je réitère, c'est un programme. Ce que n'était pas... ce que n'est pas Hollande, et ce que n'est pas Sarkozy. Donc tous ces gens-là ne sont pas inquiétés, d'une manière ou d'une autre. Quoi qu'il arrive, ils ne sont pas inquiétés. On peut peut-être faire des procès, comme à la Sarkozy, mais il est toujours là.
Il n'est pas en prison. Par contre, on va mettre le doigt sur quelqu'un qui aura tué peut-être 10-15 personnes. Attention, c'est pas bien. Je vais pas cautionner, hein. Certainement pas. Juste pour que vous fassiez le parallèle, alors que d'autres personnes qui ont dézingué je ne sais combien de personnes, et des personnes qui étaient utiles pour la société, mais qui leur faisaient de l'ombre ou qui les dérangeaient d'une manière ou d'une autre, là, on ne dit rien parce qu'ils ont été élus. Ou qu'ils ont été mis en place par des personnes pour quelque chose de politique, on va dire. Ça n'interpelle pas? Ça ne dérange pas? Moi, si. Et on pense qu'un Nuremberg pourra faire quelque chose. Rappelons-nous au Nuremberg. Qui a été vraiment incriminé? Qui a été vraiment accusé? Combien de tous ces nazis ont été placés dans d'autres pays, dont les États-Unis et l'Amérique du Sud? Combien? Pas beaucoup qui sont morts. Donc si vous croyez encore à un Nuremberg, quand bien même les intentions de Rainer Fulmich soient extrêmement bonnes, là vous vous leurrez encore une fois comme pour les élections. Ça va pas se passer comme ça. Mais pas du tout. Et là c'est pareil. On préfère un petit peu se voiler la face. On va dire mais comment on peut faire? C'est vrai qu'on n'a pas forcément des possibilités de mettre quelqu'un au tribunal, mais il y a des gens qui font des procès, hein, qui portent plainte, qui font ce qu'il faut pour que ce soit mis en avant, mais pff, ça va à la benne, hein. Logique, puisque le juge va être acheté. Où il est acheté? Ça marche comme ça. Mais c'est tout ce qui est énergétique. C'est de ne pas donner d'importance à toutes ces choses-là, encore une fois. On n'alimente pas leur énergie, donc ils n'ont plus de raison d'exister. On ne les met pas suffisamment en avant et ils n'ont plus de raison d'exister. On ne se préoccupe pas de leurs bêtises et ils n'ont plus de raison d'exister. Certes, on subit aujourd'hui parce qu'ils ont tellement perdu qu'ils balancent toute la batterie là. Mais vraiment tout. Là, c'est. On le voit, c'est flagrant, mais flagrant, mais flagrant. Tant mieux. Parce que nous, c'est bien. Mais après, quand ils ne seront plus là, après, quand tout vraiment ça tombait, si vous, vous continuez à alimenter le processus, il existera encore. Et s'il est vraiment tombé à point de ne plus exister, sur quoi vous allez vous raccrocher? Ben, ça va être compliqué pour vous. Ça va être très compliqué pour vous. Donc, je vous invite vraiment à réfléchir à tout ça, à bien discerner. Je lis mes notes si j'ai pas oublié quelque chose. Un point que j'ai oublié, c'est que quand on dézingue tout cela, quand on dézingue tous ces univers-là, des personnes de droite et de gauche, il faut savoir que c'est les services de défense qui sont derrière. Ceux qui sont censés nous protéger. Alors attention, ils ne sont pas tous mauvais, je réitère, ils ne sont pas tous mauvais. Mais ceux qui sont censés nous protéger sont ceux qui sont appelés et amenés à dire, tu fous ça en l'air. Certains ont ouvert les yeux en disant, mais on nous a dit qu'il y avait des terroristes, et en fait, non, c'était des ouvriers. Et on a fait sauter l'usine parce qu'un gros groupe voulait racheter cette usine et s'y installer. Est pipé. L'être humain est rarement violent et dangereux. Il y en a, mais pas tant que ça. Pas autant qu'on veut faire croire. Tous les films vous font croire. Séries télévisées, les trucs là, qui sont violents, qui sont toujours des meurtres, il y a toujours ou des viols, j'en sais rien. Enfin, des sévices divers et variés. C'est comme s'il y en avait un tous les jours. C'est comme si c'était tout le temps, tout le temps. Mais c'est pas vrai. Par contre, on crée ce genre de personnages, de profils. On les crée, oui. On les crée sur mesure. Notamment par les films, par les jeux, par la manipulation, par la maltraitance, par tout un ensemble de choses qui fait que les gens vont finir par être à bout et faire des choses qui ne leur correspondent pas. Mais en aucun cas, la majorité des gens ne naissent pas violents. Et quand on les berce dans l'amour, quand on leur initie tout ce qu'il y a à l'amour, aucune raison qui bascule de l'autre côté. Sauf des pathologies, type psychiatrique par exemple. Ça peut arriver. Mais c'est pas aussi important. Je l'ai déjà dit hein, dans une émission sur la défense, pareil, qui n'a pas été beaucoup vue. Pourtant, je donne des éléments extrêmement importants. Les retours ont tous été dans ce sens-là. Les amis de la défense, d'ailleurs, m'ont dit bien joué. Mais voilà, c'est. Ah oui, on parlait peut-être pas d'un sujet du moment hyper important où tout le monde zoome et focus dessus.
Alors que je donne des clés et des billes pour essayer justement d'aller mieux et de se sortir de là. Je pense que, je sais pas, je pense qu'il y a d'autres personnes qui doivent faire comme moi, je les connais pas, mais il y a des gens bien qui font des choses qui sont un peu dans l'état d'esprit dans lequel je suis. Et je pense qu'il faudrait que vous alimentiez un petit peu plus vos cerveaux à cela et vous discerneriez mieux. Vous auriez moins besoin de gens comme nous, probablement, pour pouvoir avancer. Donc, il faut bien comprendre ça. C'est quand les gens disent, ah, la défense va nous sortir de là, nous aider. Mais quelle défense? Bon, il n'y en a plus. Le peu qu'il y a, en tout cas, le peu qui reste, ils sont à bout de nerfs, ils en ont ras-le-bol, ils n'en peuvent plus. Ceux qui sont vraiment de notre côté, ils suivent les ordres et ils gardent leur salaire parce qu'il faut garder leur salaire. Et puis les autres, ils font ce que leur dit, bêtement, aveuglément, sans rien comprendre. Parfois, ils ont plusieurs doses, donc on les a bien manipulés. Pour l'armée, c'est top, ça, les doses. Tout, enfin, l'armée, le service défense. Parce que déjà, ils suivaient les ordres, mais alors là, ils suivront encore mieux. Donc, le pouvoir autorise les choses, qu'ils s'autorisent à faire des choses, afin que personne ne s'offusque parce que c'est le pouvoir. Parce que hiérarchiquement, en comportement, on a estimé que pyramidalement, c'était les chefs. Donc, les chefs, ils ont le droit d'eux. Et raisonner en transversal, et il n'y a pas de compétition, et il n'y a pas de chef. T'as mal fait, tu dois payer. Et il faut que tu répares tes fautes, parce qu'énergétiquement, c'est super important, mais aussi vis-à-vis des personnes envers qui tu as fait du mal. Quand on sort des preuves sur ces personnes-là, elles sont détournées, elles sont perdues, il y a un vice de procédure, enfin, il y a toujours quelque chose. Donc, du coup, tout va bien, Madame la Marquise. Tout va très bien. Ils ne sont jamais inquiétés. Jamais. Autrefois, pour dézinguer, on n'avait pas les médias, les mainstream, une espèce de justice corrompue. On n'avait pas. D'ailleurs, elle n'était pas aussi corrompue qu'aujourd'hui. Il y avait vraiment une vocation, comme pour la médecine, comme pour tous les métiers en fait. Il y avait vraiment une vocation. Les gens ne travaillaient pas en fait. J'en fais partie. C'est en nous, c'est notre truc, c'est ce qu'on sait faire et c'est voilà, on sait pas faire autre chose ou pas grand-chose d'autre. Mais c'est vraiment notre truc. On n'a plus vraiment ce genre de profil aujourd'hui. Et donc autrefois, on utilisait beaucoup les poisons, par exemple, ou alors on tuait, on dézinguait direct. Et dans d'autres cultures aujourd'hui, il y a des cultures où, par exemple, un mauvais regard, c'est un coup de couteau. C'est beaucoup de pays où j'ai vu ça, moi. Donc, ou alors, il y a encore un peu une forme de poison, d'empoisonner en douceur la personne ou de la rendre bien malade pour qu'elle ne puisse pas guérir. Ça existe aussi en France, hein, mais c'est moins présent que dans d'autres pays. Donc, il y a toujours eu ce genre de cirque, de cinéma, pour que les personnes puissent se retrouver liquidées. Face à celle qui estimait que ça leur faisait de l'ombre. Autrefois, les rois on dézinguait beaucoup pour la prise de pouvoir dans la royauté ou dans l'héritage. Ça se faisait beaucoup, ça aussi, autrefois. Vraiment beaucoup. Et avec tout cela, je réitère, j'y suis, j'y reste. On le voit très bien pour Ezelinski et McCoy. Ils étaient encore tous les deux là, le petit couple là. Encore tous les deux. Toujours la même chose, les deux. J'ai l'impression que c'est McCoy qui guide Ezelinski. Je le sens bien, parce que vu le profil, de toute façon, il a besoin de quelqu'un pour le guider. Et je pense qu'en ce moment, c'est, depuis quelque temps d'ailleurs, ça doit être McCoy. Mais on le voit très très bien. On le voit vraiment très très bien. Ça se mesure fortement. On arrive au troisième point avec plusieurs sujets. Je réitère pour ceux qui viennent d'arriver que le profil m'en vôtre usuellement quand je n'ai pas d'invité. Surtout, le premier point, eh bien, c'est un petit profilage. Toujours à peu près 20% de mes capacités, voire un peu moins, comme disent mes clients. Le deuxième point, eh bien, c'est un peu l'escroquerie. Un sujet sur des escroqueries, sur quelque chose, des malversations, etc. Et le troisième point, c'est l'actualité traitée différemment. Donc je vais revenir un peu sur ces hommes politiques pour le troisième point, notamment Ciotti,
Quel faux cul celui-là aussi, punaise, et opportuniste. J'ai jamais pu le voir. Et il se trouve que j'ai fréquenté son, enfin fréquenté, j'ai côtoyé plus exactement son unité défense à Nice, parce qu'ils ont un truc assez top à Nice en termes de sécurité. Donc c'est pourquoi le camion qui a fait l'attentat, je ne sais plus quelle année. Ouais, allez, c'est la marmotte et le chocolat, hein, là. On avait compris, hein. Pourquoi? Parce que j'ai été plus ou moins pressentie de travailler pour eux, ou en tout cas d'avoir un lien de professionnel avec eux. Ça pouvait pas se faire parce que vu les profils, c'était juste pas possible, quoi. Vu, c'était pas possible, ces profils qui sont malveillants, qui sont... Enfin bref, c'est noir, c'est sale, on oublie. Donc lui, c'est un gros opportuniste. Alors, il y a l'histoire avec le RN, etc. Vous voyez, ça revient sur le deuxième point. Comme il dérange, paf, on sort une casserole. Ils ont tous des casseroles. C'est simplement, ils gardent au chaud, puis le jour où ça va pas, paf, on la balance. Tu nous as trahis, on t'en met une. Vous voyez, ça rebondit exactement sur ce que je viens de dire. Donc là, c'est, ils essayent de faire la mort sociale. Ce qui me fait rebondir sur mon deuxième point, c'est François Fillon. Lui aussi, il s'est pris la même casserole. Avec l'affaire Pénélope. Sauf que tout le monde a une affaire Pénélope, en pire que lui. Les costards, tout ça, mais tout le monde. Tous les politiques. Ah ouais, mais les gens, oh non, faut pas voter Fillon et tout. C'était lui qui passait président. Si lui était passé président, on n'en serait pas là aujourd'hui. Pas du tout. Vous voyez comme quoi, faut réfléchir un peu. Faut réfléchir. Franchement, moi quand j'ai vu ça, j'ai dit, ça y est, c'est mort. Quand j'ai vu l'affaire Pénélope et les costumes, là, j'ai dit, bah ça y est, c'est bon, il est tué. Terminé, politiquement. C'était certainement l'un des meilleurs politiques qu'on avait avec De Villiers. Les hommes les plus droits possibles. Attention, pas parfait, ça n'existe pas de toute façon. Mais les plus droits possibles. Des vrais hommes politiques et des patriotes, des pères de famille. Pères de famille, pas uniquement pour leur propre famille, pour le pays aussi. C'est ça qu'il nous faut. C'est des gens comme ça qu'il nous faut. Je pense pas qu'ils reviennent en politique dans les situations actuelles parce que c'est aussi un homme d'affaires, je crois, de mémoire. Très apprécié au Mans. Je crois qu'il n'a pas envie d'user son énergie dans ce genre de truc. Il a fait ça pour le pays et pas pour autre chose. C'est pas forcément pour lui qu'il a fait de la politique. Mais c'est ce genre d'homme qu'il nous faut. C'est ce genre d'homme. Il est cash, il est droit, il est comment dire. C'est pas quelqu'un qui se laisse manipuler, c'est quelqu'un qui prend du temps pour analyser, pour prendre du recul, etc. Donc, non, c'est un bon profil, hein, François Fillon, c'est un bon profil. Voilà, tout ça pour rebondir sur ce qu'on a vu avant et passer après à d'autres sujets. Attendez, j'en ai un autre avant. Ben, Hollande, j'en ai déjà parlé. Donc, on va passer à un autre sujet politique. Alors là. Là, c'est clair que la politique touche le fond. Maïva Guénam. Pour ceux qui ne connaissent pas, moi je l'ai connue grâce à ma fille qui regardait Les Marseillais. Une émission complètement débile où des copains, une bande de copains vivent leur vie de tous les jours et les gens suivent leur vie de tous les jours. Enfin, il y a des jeux, je crois. Enfin, bon. Faut regarder au moins une fois pour comprendre. Juste une fois. Juste une fois. Vous verrez, c'est... Ubuesque. Grandiose de bêtises, grandiose. Ils sont tous refaits de A à Z, alors surtout Maïva Guénam, hein. Alors elle est carrément en kit, plastique, mais carrément de chez carrément. Ultra maquillée, des faux cheveux, des tatouages, ils suivent la mode, ils sont là pour montrer des vêtements à la mode, enfin bon, bref, tout ce que j'ai pu observer ou ce que ma fille m'a expliqué, à vomir. À vomir, anti-humain, complètement et hyper manipulatoire. Donc ces gens-là, il n'y a pas qu'elle, hein, ces gens-là sont appelés parce qu'ils ont énormément de suiveurs pour voter, pour faire voter leur communauté un candidat contre le RN, bien sûr. Ah bah oui, sinon ça serait pas drôle. Donc en gros, ce sont des manipulateurs. Maïva Guénam est une manipulatrice puisqu'elle l'impose à sa communauté. Qui la suit, qui fait exactement comme elle, de faire comme elle.
Donc c'est une manipulatrice. Mais en même temps, elle ne peut pas le savoir qu'elle est manipulatrice, parce qu'elle le fait déjà dans sa façon de se présenter, de s'habiller, de modifier son corps, etc. Et ça, donc il y a plein de gens derrière qui suivent, qui veulent être comme elle, des jeunes filles qui n'ont même pas besoin d'être opérées, mais qui le font parce que ah bah Ivagana m'a l'a dit. Tu te rends compte, elle l'a dit, hein. Faut se maquiller comme ça, faut se coiffer comme ça, faut se présenter comme ça, faut faire comme ceci, faut faire comme ça. Elle l'a dit, donc il faut le faire. Ok. Il n'y a rien de mieux que d'être libre, centré, autonome et bien dans sa tête. Hein. Je ressemble à moi et j'ai pas envie que quelqu'un me ressemble, comme j'ai pas envie de ressembler à quelqu'un d'autre. Donc voilà. Et puis en plus, ce sont je vous dis, c'est des trucs en kit en plastique. Hein. Ça ressemble à un être humain, mais de loin. Donc, bon, c'est épouvantable. Et puis là, franchement, là, alors là, c'est sûr qu'il y a au moins une usine de vélo là-dedans. Hein. Parce que les filles, elles se touchent. Hein. Là, le cerveau, c'est un steak haché. Hein. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Il n'y a rien. Mais ça se croit humain. Ça se croit gentil. Ma fille me disait, si tu comprends, justement de Maëva Guénal, elle me disait, mais si elle est gentille, elle essaie toujours d'arranger les choses. Et où ça? Où ça? Comme j'ai vu qu'une émission avec elle, pas en dire plus, hein. Mais clairement, non, 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 non. Il touche de l'argent dessus, parce que c'est 15 000 euros ce que j'ai vu passer comme somme. Non, non. Alors ça, j'y crois pas. Maëva Guénam, 15 000 euros, ça m'étonnerait. Pour payer ses opérations, ses bijoux, c'est tout ce qui va avec son appartement à Dubaï, sachant qu'elle cherchera certainement à l'agrandir. Et elle dit derrière qu'elle veut s'occuper des pauvres et que les musulmans, ça en plus c'est du racisme. Parce que la France n'est pas musulmane, Maëva Guénam. D'origine, elle est laïque et catholique. Mais pas musulmane, pas encore. Alors, c'est vrai qu'elle paraît musulmane, mais pas encore. Maintenant, je reconnais que Marseille, on se pose des questions. D'accord, ça, je suis d'accord. Donc voilà, le parti politique choisit son camp. Mais c'est raciste, manipulatoire. Mais il y a des gens qui vont suivre. Il y a des gens qui ont aussi un steak caché en guise de cerveau qui vont suivre. Qui se laissent manipuler. Moi, je dis ça, je dis rien. Mais on peut porter plainte contre ces lanceurs d'alerte là, ou ces, comment on appelle ça? Youtubeurs, pardon. Ces youtubeurs pour manipulation de masse. Parce que c'est de la manipulation de masse. Ils ont été payés pour le faire. Ils ont été payés pour le faire. Et bravo à ceux qui ont refusé. Je sais pas les noms. Mais Maëva Guénam, en plus, il faut quand même savoir une chose, c'est qu'elle a le profil du politique. Elle n'a rien dans la tête, elle se fait acheter et elle manipule les gens. Elle n'a pas d'idée, c'est creux, elle ment, puisqu'elle dit qu'elle va s'occuper des pauvres alors qu'elle vit dans des trucs hyper richissimes. C'est le parfait profil du politique. Ils l'ont bien choisi, celle-là. Alors là, vraiment, en plus, son discours, mais je ne sais même pas si elle en a un. Je ne sais même pas si elle sait parler. Quand on voit, ouais, Ziva, attends, tu parles comme ça, non, mais si, il faut que tu votes. Je sais pas si elle parle comme ça, mais les jeunes parlent beaucoup comme ça, hein, sans s'en rendre compte aujourd'hui. Le vieux français, alors là, on peut l'enterrer, hein, on peut vraiment l'enterrer. Et alors la courtoisie, qui plus est, c'est dans des générations comme la nôtre. Mais bon, comme vont dire les jeunes, je suis qu'une vieille icône. Excusez-moi d'être vulgaire, mais c'est ce qu'on peut dire. C'est ce qu'on dit souvent, d'ailleurs, des anciens. Ouais, peut-être, mais je préfère ça que ressembler aux jeunes d'aujourd'hui. Mais largement, vraiment très, très, très largement. Sauf certains jeunes. Voilà, je voulais vraiment vous mettre ça en avant parce que là celle-là, franchement, elle est choucarde. Franchement, j'ai rigolé. Quand j'ai vu ça, je dis, ah ouais, non, trop fort. Là, trop fort. Là, franchement, trop fort. Alors, ça me fait rebondir sur un autre sujet qui fâche en France. Ça fait longtemps qu'on ne peut pas parler ni des juifs ni des musulmans. Mais ça vous dérange pas de parler de nous? Les juifs et les musulmans, de parler de nous, des Français. Je ne parle pas des macroniens, hein, je parle des Français. Ça vous dérange pas, par contre? Est-ce que nous, on fait tout un cake avec ça? Non. Pouille, pouille. Je vois pas quel est le problème de parler des juifs et des musulmans. C'est quoi le problème? Hein? Et je réitère, la France n'est pas non plus juive d'origine. Mais on se pose des questions, hein, depuis quelque temps. Ça, c'est clair. J'en conviens. Mais si on fait ça, on parle d'un juif, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on est homo, on est raciste, on est complotiste, on est... Non, mais c'est pas nouveau, hein, ce que je suis en train de dire, c'est pas nouveau.
Je pense que les gens ont compris aujourd'hui. Donc, lâchez-vous, parlez, dites ce que vous avez à dire, et point barre. On peut ne pas être d'accord. On peut ne pas être d'accord. Soyez pas non plus, mettez pas tout le monde dans le même panier, quoi. Je veux dire, faut pas non plus être trop excessif. Ça, je le vois pareil. Tous les Arabes, tous les non. Ça, non. Faut arrêter quand même. Te ranger dans les cases, c'est ce qui est pire. C'est dans ce cas-là, vous, si vous êtes par exemple roux et avec des taches de rousseur, la peau blanche, donc vous puez. Parce que tous les roux, il paraît qu'ils sont comme ça. Parce qu'on disait ça, moi, enfant. Donc, comme je suis née rousse, forcément, derrière, ah oui. Alors quand j'ai blondi, on me l'a beaucoup moins dit, mais j'ai toujours des taches de rousseur. Tu pues, voilà ce qu'on disait. Mais je sentais rien, forcément, c'était mon odeur. Alors je demandais aux autres, mais non, tu pues pas. Des stéréotypes, ça crée des stéréotypes. C'est, soyez objectif, chaque être humain est unique. Arrêtez d'en ranger dans des cases. Ça fait le jeu de la cabale, ça aussi. Point suivant, ça, c'est pareil, c'est dans la continuité. Je l'ai bien synchronisé, mon profil en vôtre. Là, visiblement, je suis assez contente de moi. J'espère que vous serez contents, vous aussi. Vous connaissez la chanson « Douce France » ? Je chante pas bien. Hein. Il va pleuvoir. Attention, oh là, je vais faire du... Oh ben non, si je fais compétition avec François Hollande, ça va pas le faire quand même. On va éviter ce genre de bêtises. Oh là là, Nadine, arrête. Non, en fait, je chante pas si mal que ça. Mais bon, j'ai pas envie de chanter. Mais vous connaissez cette chanson qui est symbolique, très symbolique de notre douce France. Je crains que la jeune génération l'ait pas connue. Nous, on a connu cette douce France. On a connu la joie de vivre, où on faisait des pique-niques à droite à gauche, où on était libre de tout, libre de tout. On était joyeux, on faisait la fête, on dansait, on chantait, on se voyait entre potes, on était des barbecues à profusion, improvisés, voilà, ou des dîners, ou n'importe quoi. C'était ça, là, notre joie de vivre. C'est ce qu'on appelle un peu les années 80, mais même avant. C'était la joie de vivre, on était heureux, on se lâchait, on faisait plein de choses, on faisait énormément de choses. Alors évidemment, on n'avait pas les games machins, là, les trucs, le smartphone et compagnie. Ah non, ça, on n'avait rien de tout ça. On avait nous, on avait le cœur, de la joie de vivre, on avait des envies, on osait, on faisait plein de choses, on osait. Moi, j'en ai fait des bêtises pas méchantes, hein, mais des trucs, je me dis, ouais, non, là, enfin, c'est surtout moi avec les... Côté mécanique, la moto, la voiture, enfin bref. Mais on avait une liesse qui était extraordinaire. Qu'est-ce que c'est triste aujourd'hui, vous n'avez même pas une fleur dans la rue. C'est triste. Les gens ne rient plus, ne sourient plus, ne dansent plus, ne chantent plus, ne parlent plus, ne se rencontrent plus. Il n'y a plus rien. Il faut faire un événement pour que les gens éventuellement se déplacent et ils sont mal attifés. Ils sont sales. C'est moche, là. Toutes ces, même ces femmes qui savent pas s'habiller, mais c'est hideux, c'est complètement hideux. Quand on voit une femme avec un chapeau, une robe longue, une robe même, c'est juste une petite robe, ou un joli petit pantalon, ou des petites chaussures mignonnes, ou un peu maquillée, ou quelques petits bijoux. Ah, tout le monde se retourne dessus, tu m'étonnes, il y en a plus. Il y en a plus. Quand je dis il y en a plus, il y en a encore, mais très très peu. Et c'est triste. Et c'est laid. Et c'est, si je sais pas, il y a pas de fleurs, il y a pas de joie, il y a pas de rire, il y a rien de tout ça. Mais, mesdames et messieurs, les maires qui avaient interdit de mettre des fleurs au balcon, est-ce que ça peut tomber sur la tête de quelqu'un? C'est quoi le pourcentage que je me prenne un pot de fleurs sur la tronche? C'est quoi le pourcentage pour retirer toutes ces fleurs de tous les villages de France? C'est combien, s'il vous plaît? 0,0 combien? Non, mais faut arrêter, quoi. Faut arrêter. J'entends un truc l'autre fois, pareil. J'entends un truc, je ne citerai pas qui, quoi, ou qu'est-ce, mais... Dans une zone agricole, un monsieur qui rachète une ferme, qui est agriculteur, donc producteur de fruits, et il fait des logements sociaux dans un vieux bâtiment. Il a mis dans les 480 000 euros pour tout refaire et pour faire 5 logements sociaux, donc à des coûts réduits. Les gens sont venus, parce qu'il fallait que des professionnels, j'adore, des professionnels, viennent pour vérifier que c'était aux normes, etc. Je vous donne 1 000, comme dirait Coluche. Ils lui ont imposé de ne pas passer le tracteur ou aucun véhicule bruyant les jours fériés et de ne pas le faire non plus entre 8 heures, de le faire qu'entre 8h et 17h30.
Va dire ça à un agriculteur. Le mec, il est écœuré. 480 000 euros à la benne. Écœuré, les gars. Mais vous réfléchissez avant de dire des bêtises pareilles. Mais à un moment donné, c'est où que ça se connecte plus? Mais comment voulez-vous que les gens ne deviennent pas violents? Comment voulez-vous que les gens ne deviennent pas violents? C'est ça qui crée la violence. C'est toutes ces malversations, c'est toutes ces méchancetés, c'est toutes ces horreurs, ça crée la violence. Alors avant d'agir, pour ceux qui m'écoutent, qui sont des élus, mais réfléchissez. Rendez la joie, redonnez cette joie. Vous voulez apaiser la violence? Redonnez-la. Tout ce qu'on donne de tous les côtés qui serre la vis, qui cloisonne, qui fait mal, qui empêche, etc. Tout ce qu'on fait depuis des années atrophie complètement l'humain, mais le naturel revient au galop. Il revient systématiquement au galop parce qu'il n'est pas fait pour ça, l'humain. Il le sait. Et il le sait aussi par rapport aux autres vies qu'il a vécues. Il sait que ce n'est pas bon pour lui. Donc qu'est-ce que vous attendez? Pour être humain, remettre un peu d'humanité, un peu d'amour, un peu de joie, un peu de vie dans votre village. Qu'est-ce que vous attendez? Je ne parle pas des villes, hein, parce que c'est plombé, ça ne sert à rien. Je parle des villages. Qu'est-ce que vous attendez? Autorisez-moi ces fleurs au balcon. Mettez des fleurs. Mettez des couleurs. Si j'ai quelques petits villages, ils mettent des petits trucs. Pas forcément toujours de bon goût, mais au moins ça y est. C'est fait. Un petit village à côté de chez moi, il y a toujours des trucs toujours liés aux enfants d'ailleurs, c'est trop mignon. C'est des dessins d'enfants, des trucs d'enfants tout le temps, Halloween et tout le monde, c'est des fêtes patricielles. Mais au moins, il y a quelque chose. Pas forcément toujours très joli et de bon ton, mais il y a quelque chose, c'est mignon. Donc je vous laisse réfléchir à ça aussi, parce que vous, propriétaire de maison ou d'appartement, ou locataire, pas qu'importe, enfin, habitant chez vous, bah, passez outre ce genre de conneries. Passez outre, s'il vous plaît. Passez à autre chose. Redonnez cette vie. Vous êtes acteur de la vie de demain. Si vous rentrez dans le système, ça ne marchera pas. Ça ne fonctionnera pas. Ne vous en plaignez pas. Je ne sais pas quelle douce souffrance on aura demain. Mais il est temps d'y songer. La Macronerie ne restera pas. D'une manière ou d'une autre, elle ne restera pas. Comment, je ne sais pas. Ça fait rebondir sur les jeunes. Ah, je suis bon, je me suis bien débrouillée. Ça me fait rebondir sur les jeunes. Vous avez vu les jeunes dans la rue là contre le RN? Vous avez vu leur tronche? Vous avez vu leur profil? Vous vous rappelez que ma couille, il a dit que le sacrifice, j'ai fait un petit profil express sur le sujet, le sacrifice des jeunes. Quand tu vois la tronche des jeunes dans la rue, c'est pas ça qui va se sacrifier, hein. Ni pour la Macronie, ni pour la France, hein. Ni pour l'Ukraine, ni pour personne. Alors là, vu les tronches, dans leur portable, t'appelles ça des combattants? Mais Manon, mais alors attends, je suis sûre qu'ils ont touché de la thune pour sortir, c'est pas possible. Ils ont dû prendre des bifetons, c'est pas possible. Ou on leur a dit, viens, il y a un barbecue derrière, ou je sais pas comment on les a sortis dans la rue, ou on leur a tellement manipulé le cerveau qu'ils ont dit, on va sortir dans la rue. Mais clairement, clairement, clairement. Zéro pointé. Ils feront rien pour le pays, ces gens-là. C'est ça, t'es jeune, ma couille? C'est bien ça. On est d'accord. Eh ben, écoute, tu te les gardes. Hein, parce que c'est pas ça, avec ça, qu'on va construire demain. Ça, sûrement pas. Quand on voit la tronche, quand on voit le profil. Moi, alors, j'ai vu ça l'autre fois. J'étais chez mes parents, donc à la télé. J'ai vu cette, ouh, ouh, ouh. Ah, ben, alors là, on est sauvés. On est sauvés. Ils passeront pas les 4 ans, hein, ceux-là. Hein, ça, c'est sûr. Je vais revenir d'ailleurs sur les 4 ans, tout à l'heure. Non, mais là, franchement, bon, plus je pense qu'il y en a un paquet qui sont picousés, de toute façon, ils suivent les ordres, hein, in ordnung, comme on dit en allemand, en ordre, voilà, in ordnung. Bon, ça va pas le faire, ça va pas aller loin. Autre petit point, qui là, pour une fois, n'est pas en rapport avec, n'a pas la continuité du reste, mais je voulais vous en parler parce que ça fait un moment que je voulais vous en parler. On a observé le jetable, tout est jetable. Le couple est jetable. Bon, ça, c'est un truc que j'ai déjà dit dans une émission et j'ai dit aussi dans mes théories scientifiques. J'en ai parlé, je me rappelle, j'ai écrit ça il y a des années déjà. Je sais même pas si je ne l'ai pas écrit dans mon livre Net Profiling, comment appréhender les cybercriminels. Qu'on a fait du jetable. On a rendu tout jetable en termes d'humain. Je divorce pour rien, je jette ma copine pour rien, je m'occupe plus de mon enfant pour rien, je jette un animal, je jette, je jette, je jette. Voilà, jetable. Parce que le clic a créé le jetable.
peux tout en avoir en un clic, je réfléchis pas, j'achète, je prends, etc. Et derrière, bah, je fais pareil un peu dans la vie de tous les jours. On a transposé le comportement virtuel sur le réel. Pas tout le monde, hein. Beaucoup ont fait ça. Donc, du jetable, on a créé la voiture jetable. Et oui, et l'électrique est une voiture jetable. Tout ce qui est, regardez, vos lave-vaisselle, lave-linge, réfrigérateur, tout ce qui est électroménager, en gros. Observez le temps de vie qu'ils ont, selon les marques, selon l'ancienneté. Plus c'est récent, moins le temps de vie est important. Et la voiture, c'est pareil. Sauf que le prix de la voiture, c'est pas la même chose quand même qu'un lave-linge. Et les voitures électriques, c'est ça. C'est devenu comme ça. Alors, peut-être un peu avant les voitures électriques, mais tout juste avant. On est vraiment dans du jetable. Bon, quand on voit, mon banquier me l'a dit, hein, parce qu'il est anti-voiture électrique, mon banquier essaye de dire à ses clients, écoutez, c'est pas une bonne idée d'acheter une voiture électrique. Ça marche pas toujours. Je le salue d'ailleurs, pour une fois qu'il y a un gentil banquier qui est de notre côté. Il m'a dit qu'il y a un couple qui était obligé de vendre sa maison pour payer les réparations de leur voiture. Ça va loin quand même. Moi, je la vire, la voiture. Hein. Je prends une trottinette, mais je ne vends pas ma maison. Bon, j'ai pas de voiture électrique, je risque pas d'en avoir. En tout cas, pas en l'état actuel des choses. Mais vous voyez, donc, pourquoi le marché de l'occasion a autant explosé? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte que ça, c'est fiable et ça dure encore. Ça va durer pas mal d'années. Les gens ne veulent plus de jetable. On n'y est plus. Alors, à part ceux qui défilent dans la rue contre le RN, hein, et ça, c'est pas des gens, ça, c'est des trucs picousés, je sais pas ce que c'est. Je suis pas pro-RN, je précise, parce qu'il faut tout préciser aujourd'hui, puisque je vote pas, j'en ai rien à foutre de la politique. Il n'y en a pas un plus bon que l'autre, aucun n'est bon. Arrêtez de m'envoyer des messages pour me dire « Et Asselineau, et Juvin Brunet, et Philippe Hautz. » J'ai dit zéro. Quand je dis zéro, c'est zéro. J'ai dit dans une émission, on le cherche. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Les seuls qui ne font plus politique, ou plus vraiment, qui sont fiables, et relativement bons pour notre pays, en tout cas suffisamment bons, je l'ai déjà dit, c'est De Villiers et Fillon. Il y en a peut-être que j'ai oublié, mais en tout cas, ils sont dans l'ombre aujourd'hui. D'accord? Donc arrêtez de m'envoyer des messages. Je vous l'ai déjà dit, rien de tout ça ne relèvera le pays. Rien. Ils sont tous beaucoup dans la matrice. Et ils sont tous beaucoup dans l'opportunité de prendre le pouvoir. Même s'ils font mieux que Macron, de toute façon c'est difficile de faire pire, ils ne feront pas ce qu'il faut pour notre pays. Et on reviendra à un ancien monde qui n'existe plus, il n'existera plus jamais. Il faut bien vous mettre ça dans la tête. Il n'y a pas que moi qui le dis, hein, d'ailleurs. Donc ces voitures électriques-là engendrent des soucis, comme c'est pas permis, du jetable déjà. Ça ne dure pas, elles ne sont pas faites pour durer. Elles sont pas... Même les avions, regardez les avions. C'est Boeing et Airbus, je crois, je ne sais plus, où on a vu des pièces qui sont de très mauvaise qualité et qui enlèvent toute fiabilité à l'avion. Alors déjà, les pilotes sont picousés. En plus, t'as les pièces, t'as intérêt à apprendre à voler et partir avec ton parachute. Hein. Si tu veux prendre l'avion, moi c'est clair, hein, maintenant j'emmène mon parachute. Hein. Si je prends l'avion, je vais faire ça. Hein. Je pense que c'est mieux. Prendre l'avion avec son parachute, sur soi. Hein, sur soi. Jamais. Moi, je pense que c'est le truc qu'il faut faire maintenant. Et franchement, on a drôlement évolué. Hein. Quelle civilisation qui a drôlement évolué. Waouh, mais on est trop fort. Qu'est-ce qu'on est trop fort pour aller dans la modernité, tout saccager pour faire des trucs modernes, des trucs en aluminium, en acier, en béton et tout ce qu'on veut, des villes complètement high-tech, intelligence artificielle. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on a évolué? Qu'est-ce qu'on est bon quand on voit que l'énergie était libre et qu'on pouvait la faire venir de nous-mêmes et qu'on a encore les capacités de le faire, il suffit simplement de travailler dessus pour que ça fonctionne. Il serait temps qu'on revienne à l'essence, l'essence de nous. De notre âme et conscience. Qui me fait rebondir sur le prochain point. Le prochain point qui sera le dernier point de cette émission. Ou pas. Avant la conclusion. Si, si, avant la conclusion. Merci pour votre patience. Ce prochain point, c'est sur l'énergétique. Donc là, il y a quelques années, je ne sais plus si c'est 3 ou 4 ans, j'avais fait une petite capsule en disant qu'il va y avoir un fossé qui va se creuser dans l'humanité, qui va être très important, et à un moment donné, le bout d'un côté ne pourra pas rejoindre le bout de l'autre. Ben ça y est, on y est. Ça y est.
Là, on y est. C'est-à-dire qu'il y a très peu de gens qui vont arriver à aller de notre côté. Quand je dis très peu, c'est vraiment très peu. La scission, elle est nickel. Elle est faite, terminée, affaire classée. Là, on y est. Et ça rejoint un ensemble de choses avec des échanges que j'ai eus avec mon énergéticien notamment, mais pas que, puisque bon, je fais partie aussi d'autres choses pour la construction de demain. Et j'ai rencontré des économistes, des gens qui ont beaucoup de réflexion, des cerveaux qui eux travaillent très très bien par contre. Je salue aussi. Et on est arrivé, enfin je suis arrivée à cette analyse que, donc on avait dit 4 ans, les énergéticiens dans 4 ans, on va perdre, il reste 4 ans pour perdre, pour rééquilibrer, pour essayer de récupérer un ensemble de personnes. Non, en fait il reste pas 4 ans. Je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui m'ont envoyé des commentaires en off pour me soutenir sur cette vidéo de Il ne resterait que 4 ans, un profil express. Je les remercie beaucoup. Beaucoup d'énergéticiens ont fait ça. Ils ont évoqué, je me permets de le dire, parce qu'ils ont évoqué le courage d'avoir osé de le dire, parce qu'ils savent très bien que j'allais me faire sculer et je me suis fait évidemment sculer. C'est pas du courage, c'est un devoir. Pour moi, c'est un devoir que de prévenir, c'est un devoir que de le dire. Après, il y a eu tout un tas de gens complètement stériles, enfin, dans leurs propos, dans leurs écrits, se passer. Beaucoup qui ont montré de la peur, énormément qui ont montré de la peur. Et d'autres, totalement, ils connaissent pas le sujet, donc ils pouvaient évidemment pas rebondir dessus, mais ils se sont autorisés à rédiger quelque chose de malveillant. Je les remercie en tout cas pour ce soutien parce que c'est toujours plaisant d'avoir du soutien. Certains ont écrit après sous ma vidéo, mais je remercie tout le monde pour ce faire parce qu'il y a des énergéticiens qui sont pas sympas, qui m'ont même fait des attaques. Donc là, ils sont vraiment pas sympas. Donc quand vous dites l'énergéticien c'est super et tout, non pas tous, hein, c'est comme dans tous les métiers, non pas tous. Donc en octobre. La date d'octobre a été retenue et par les économistes et par les énergéticiens, j'ai vérifié, pour être la date charnière, octobre de cette année. Je vous avais dit, je ne suis pas la seule à l'avoir dit, que 2024 serait un gros chaos et que tout irait à notre avantage. Ce qui est le cas, même si certains ne le voient pas, mais en fait, si. Il suffit d'avoir le bon raisonnement, de bien comprendre comment ça fonctionne et d'aller vers justement ce qui est bon pour nous. Et là, bah, on n'est pas vraiment perturbé par ce qui se passe. Enfin, moi, je ne le suis pas, personnellement. Et je suis pas la seule. Je dis tant mieux, parce qu'enfin, on arrive au bout. Enfin. Mais en fait, c'est cette année qu'il va y avoir le plus gros nombre de départs. De gens qui vont vraiment. La scission, elle est faite. C'est cette année. C'est pas dans 4 ans. Dans 4 ans, en fait, c'est la libération totale. Ça peut bouger. Les lignes de temps bougent. C'est ça, hein. Ça marche comme ça. Au niveau des densités, ça bouge. Mais là, c'est ce que disent les énergéticiens et ça rejoint des écrits que j'avais eus de certains énergéticiens qui m'ont dit 2 ans et que de toute façon, cette année, ça va être le gros, gros, gros chaos. Et c'est exact. On est plus dans cette dimension-là que dans la dimension de dans 4 ans, qu'on a encore 4 ans. On n'a plus 4 ans. C'est terminé. C'est terminé. Donc après, il va falloir nettoyer, reconstruire et. Là, l'estimation est autour de 7 mois aussi. C'est-à-dire que là, on va. Octobre, ça va dézinguer de partout. Et je ne vais pas rentrer dans des détails parce que je n'ai pas envie. Les gens initiés sauront. Et je préfère m'adresser à eux sur cette partie-là. Et dans 7 mois après, ça va aller beaucoup mieux. C'est-à-dire que de toute façon, on sera dans la phase où ça ira mieux. Mais on va être dans une phase après de nettoyage. Où là, des gens comme moi vont avoir beaucoup de boulot. Donc, restez zen, restez concentrés. Ne focussez pas, ce sera mes conclusions, sur les élections qui sont là pour nous détourner toutes ces choses-là, ou les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques des BRICS, c'est peut-être plus intéressant, non? Vous ne croyez pas, il n'y a qu'une seule Française apparemment. Mais bravo à elle, chapeau. Moi, je trouve que ça a l'air vachement sympa. Hein. Le peu que j'ai vu, ça avait l'air vraiment. Ça donne envie, moi qui suis jamais les JO. Ou quand j'étais jeune, mais c'était bien quand j'étais jeune. Là, je sais pas, ça donne vraiment envie. Et derrière, de vous focusser vraiment sur vous, de travailler sur vous, de foncer sur vous, d'avancer sur vous,
de vous instruire, vous former, etc. et de ne pas vous laisser perturber par les balles qui sifflent. Les élections, c'est des balles qui sifflent. Les JO, c'est des balles qui sifflent. Ce système-là ne peut pas tenir. Tout ce qui est corrompu, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est noir, tout ce qui est méchant, n'a une durée de vie limitée. Très limitée. C'est ce qui est en train de se passer. Et dites-vous bien une chose, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris ça aussi. Reste petit français qui ne bouge pas petit français. J'ai la chance, je réitère, d'avoir vécu à l'étranger et d'avoir beaucoup de clients à l'étranger. C'est nous le pire. C'est en France le pire. La France tombe. L'espace terre est libéré. Mais il va y avoir beaucoup de monde sur le carreau. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça abaisse les énergies que de focusser sur les élections, que de focusser sur les JO et compagnie. Ça abaisse totalement les énergies, les vôtres et tout ce qu'il faut, puisque ça alimente les leurs. Surtout si vous êtes dans la peur. Non. Ah, ils adorent ça. Hein. Ils adorent ça. C'est leur truc. C'est comme ça qu'ils se nourrissent. Moi, j'ai beaucoup aimé la réaction aussi de Vladimir Poutine par rapport à la conférence en Suisse, les corrompus qui ne sont plus dans la neutralité eux aussi. Beaucoup de gens pensent que la Suisse va s'en sortir. Non, non, ça fait un moment que j'ai dit qu'elle ne s'en sortirait pas. Et elle ne s'en sortira pas. Parce qu'elle a complètement détruit sa neutralité et elle n'a rien vraiment pour tenir. C'est un pays qui n'a pas grand-chose pour vivre, à part la finance. Donc la finance, ça va très mal et ce n'est pas l'avenir. Donc non, ils ne vont pas s'en sortir. Donc cette conférence pour la paix de l'Ukraine, Pipoland et compagnie, où on a qui se sont barrés même avant la fin, qui n'ont rien signé, enfin, j'ai lu plein de trucs là-dessus, ce que j'ai observé aussi. J'ai beaucoup aimé le silence de Vladimir Poutine sur le sujet, parce que comment faire une conférence sur un sujet où là il y a deux parties qui sont concernées, mais il n'y en a qu'une des deux qui est là. Ça, c'est pareil, ça parle à personne, ça? Non, non, non. Non, en boucle, ça passe partout, en boucle. Ils ont dit ça, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Oui, mais si à la base, tu sais qu'il n'y a pas la Russie qui est présente, pourquoi tu vas aller me donner de l'énergie là-dedans? Mais pourquoi? Il n'y a pas la Russie. S'il n'y a pas la Russie, elle est concernée. Ça veut dire que c'est pipé, ça veut dire que c'est fait pour nous détourner. C'est pas quelque chose qui est bon pour nous, pour notre avenir, pour demain. Ils vont refaire une autre pour trouver quoi? Mais c'est du pipotage. La question, c'est qui paye? Sûrement encore nous. Mais c'est du pipotage. Donc, je ne sais pas si vous comprenez, vous, les gens, là, faut arrêter les lanceurs d'alerte, les machins. Vous faites le contre-pouvoir, vous êtes dans l'opposition contrôlée, mais il n'y a pas d'autre mot. C'est de l'opposition contrôlée. Non, on arrête ça. S'il vous plaît, venez de notre côté, là, pour de bon. Ils ont fait ça aussi parce qu'ils ont créé cette guerre. C'est l'OTAN, Macouille, la cabale, tous ces méchants, tous ces mauvais qui sont derrière. Ils ont créé cette guerre en Ukraine. C'est eux qui l'ont créée. Ils ne peuvent pas s'en sortir. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. C'est plié, c'est pipé. Ça aurait été gagné beaucoup plus tôt. Moi, je pensais que ça serait gagné plus tôt parce que connaissant Poutine, ça aurait été gagné plus tôt. Mais en fait, non. Je me suis trompée. Parce que j'ai occulté un truc, c'est qu'il aime l'humain, Poutine. Donc, il essaye de ne pas prendre des zones civiles. Forcément, ça met du temps. Ça met beaucoup plus de temps. Puisqu'il essaye de ne pas toucher les civils. Ce qui n'est pas le cas de l'autre côté. Hein. Alors là, eux, ne font pas de quartier, quel que soit l'âge, quel que soit le sexe, rien à foutre. Militaire, pas militaire, hop, on désigne. Ce n'est pas le cas, hein, les nazis. Donc, encore une fois, ça prouve bien qu'ils sont au bout du bout. Ça prouve bien que ça ne fonctionne plus. Ils ne savent pas comment sortir de ce bourbier. On voit que pour Israël, c'est pas mieux. Et puis certainement d'autres endroits ailleurs, c'est pas mieux. Ça explose de partout. On parle de Troisième Guerre mondiale, mais quelque part, elle est un peu déclarée sans être déclarée. Est-ce qu'elle aura vraiment lieu avec une guerre nucléaire? Je pense plutôt à une bonne révolution en France, ça c'est sûr. Tout va se passer chez nous. C'est nous qui allons libérer l'espace-terre. On est les derniers. C'est nous. Parce que la France est un centre énergétique au niveau de l'espace-terre. C'est ici chez nous qu'est le plus gros centre énergétique. C'est pour ça qu'on vit, on a des tas de vies, des tas de choses qu'on a vécues. Mais aussi derrière, parce qu'on a toujours été une sorte d'exemple, entre guillemets, et un point stratégique et névralgique pour
tout ce qui est politique, environnemental, économique, etc., etc. Et on tombe, tout le reste est libéré, nous aussi. Et on est pratiquement au bout du bout. Donc on est sorti de l'œil du cyclone, on est retourné dans le chaos, mais un chaos de chez chaos. Là, ça va péter de chez péter. Comment? Je ne sais pas. De quelle manière? Je ne sais pas. Ça va péter. Ça va être très tendu, très chaud. Préparez-vous. Mais préparez-vous dans le sens de, il faut que ça avorte un bon coup, il faut que ça pète un bon coup pour qu'on soit peinard, qu'on soit tranquille après. Qu'on reconstruise sur quelque chose de bien, de sain, qui nous appartient à nous, qui est bon pour nous. Sans rien de ce qui correspondait avant, que l'on veut reproduire aujourd'hui en disant ça ira mieux parce qu'on aura telle politique. Et non, ça n'ira pas mieux. C'est tellement verrouillé ces milieux-là. Il faut tout détruire. C'est le seul moyen que ça fonctionne. On ne peut pas reconstruire sur des sables mouvants. Ouvrez les yeux, s'il vous plaît. Ouvrez les yeux. Je ne ferai pas tout le temps ce genre de vidéo. Mais je le fais parce que je me dis, ben, si on arrive à encore récupérer de la faille de l'autre côté, là, à cette zone-là, ce sera pas beaucoup, mais ce sera toujours ça de pris. Pour ça qu'on se bat. C'est pour cette humanité, pour le vivant. C'est pour ça qu'on se bat. Sur ce, je vais avoir une émission bientôt avec un invité qui n'est pas très connu, mais je trouve qu'il fait du bon travail. Je vous laisserai découvrir. Je sais que je dois avoir 2-3 émissions qui vont tomber à droite à gauche bientôt. Et donc, on va peut-être pas se parler tout de suite. Pour ceux qui partent en vacances, je vous souhaite de bonnes vacances. Pour ceux qui prennent du repos, je vous souhaite du bon repos. Et on poursuit tout cela, on avance en fonction des événements. Et les profils vôtres ne sont que liés aux événements, en fait. Moi, je me base sur les événements pour les faire. Comme je vous disais, je ne fais pas une émission pour faire une émission et pour n'avoir rien à dire. Je construis mon émission, je trouve les sujets, j'essaie d'apporter tout ce que je peux. Et je vous remercie sincèrement pour ceux qui me sont fidèles et qui me suivent depuis très très longtemps, parfois depuis 2016, quand j'ai fait mes premières émissions chez BTLV. Je vous remercie vraiment beaucoup, ou Sylvain Nourota, ou Hold Up, ou il y en a qui ont pris en cours de route. J'ai créé cette émission Profil en Vôtre pour vous, et puis ben, cette 39e édition est là. Il y aura une 40e et il y en aura d'autres jusqu'à ce que ce soit nécessaire. Mais je ne l'ai fait que si c'est nécessaire. Merci à vous, bonnes vacances, bon repos et à bientôt.